Hey, as-tu déjà rejoint le transport à côte ou ce n'est toujours pas mon problème? Si tu arrives sur cette chaîne pour ta première fois, commence par t'abonner parce qu'ici nous parlons de vraies opportunités. Tu vois ce système de transport? C'est le meilleur système de transport au monde. Il est le meilleur en termes d'efficacité, de capacité, de coût, de mise en œuvre, de pollution de l'environnement. Ce système de transport, U-Sky Transport, ou encore Transport à Côte, a aujourd'hui deux centres d'est dans le monde. Un premier centre en Biélorussie, à Marina Gorka, et un deuxième centre aux Émirats Arabes Unis. Il est écologique. Ce système de transport est écologique, économique, et s'adapte facilement dans n'importe quel environnement. Dans cette technologie, il y a plus de 15 modèles de véhicules pour le transport des passagers et aussi pour le transport des marchandises. Sur cette image, c'est un mini flash et aller jusqu'à 500 km par heure, passer même sans faire bouger les feuilles d'un arbre, c'est magnifique. Comme je disais, il peut être construit sur toutes les zones climatiques de la planète. Qui ne voudrait pas d'un système de transport pareil qui peut permettre d'économiser jusqu'à 10 fois moins d'argent pour le construire que pour construire tous les autres systèmes de transport conventionnels? Alors, qu'est-ce que tu attends? Une fois de plus, je reviens te parler de ce transport parce que tu as encore la possibilité de devenir copropriétaire de cette technologie. Nous créons l'un des plus grands business de toute l'histoire de la civilisation à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins Skyworld Community aujourd'hui et ensemble, construisons le transport du futur, évalué à plus de 400 milliards de dollars. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à cette réunion hebdomadaire où nous parlerons bien évidemment de cette opportunité unique qui nous est donnée aujourd'hui de pouvoir écrire l'histoire. Cette opportunité unique de pouvoir faire partir du développement d'un transport qui n'a pas d'analogue dans le monde. Effectivement, ce transport est déjà en train d'entrer sur le marché mondial du transport et nous nous apprêtons à occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Alors, ce soir, bien évidemment, comme d'habitude, c'est moi, Donatien Gérard, et je suis investisseur dans ce projet depuis 2018. Alors, ce soir, nous entretiendrons sur les sujets suivants. Nous commencerons par les dernières nouvelles dans le projet et ensuite, nous enchaînerons avec les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous verrons donc les différents problèmes ici que le transport actuel rencontre. Nous verrons les problèmes et les risques de sécurité des systèmes de transport actuels, ainsi que les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment. Ok, comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique? Et nous verrons par la suite qu'est-ce que Skyworld Community vous offre, quel avantage, perspective et bénéfice vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, nous commençons bien évidemment par cette nouvelle intéressante. Le concept de transport de l'avenir de Moscou a été présenté. Le musée des transports de Moscou, dans le cadre du projet autour de la Moscow City a présenté une prévision du développement du réseau de transport de la ville. Les illustrations générées par le programme informatique montrent comment la capitale de la Russie changera à l'avenir si de nouvelles technologies de transport sont introduites dans son infrastructure. À l'exposition du musée des transports de Moscou, les options pour l'organisation des systèmes de transport pour le complexe Moscow City et d'autres métropolitains à fort trafic ont été présentées. Parmi les routes urbaines similaires, le troisième anneau de transport,
le pont routier de Rogomilov, le tunnel de Rogomilov et d'autres. Les visualisations retracent les principales tendances du développement des grands centres du transport du futur, l'aménagement paysager, l'organisation des transports pour piétons, le remplacement des structures encombrantes par des options légères, la redistribution du trafic de passagers à plusieurs niveaux selon la version de l'ordinateur. La solution optimale à ces problèmes est l'utilisation du transport de sur-vitesse. Alors, la technologie UST répond déjà à ce concept et s'intègre parfaitement dans les infrastructures de les infrastructures de Moscou, autant pour moi, répondant aux exigences de base en matière de sécurité, d'environnement et d'accessibilité. L'estacade de rail à cordes est située au-dessus du sol, ce qui résout efficacement le problème des embouteillages et élimine les accidents. La route est responsable du système anti-sortie et du système de contrôle automatisé. La flexibilité de la construction de la structure de trajet basée sur le principe de l'intégration prudente dans l'environnement. La construction ne perturbe pas le mouvement des eaux souterraines et de surface. Le paysage naturel est donc préservé. Le système de transport UST peut transporter jusqu'à 50 000 passagers par heure. Grâce à des systèmes de contrôle automatisés, le transport s'adapte au trafic de passagers, ce qui permet d'éviter les congestions dans les gares. En même temps, la construction et l'exploitation des complexes UST sont économiquement plus rentables que les autres modes de transport. Cela s'explique par la faible consommation de matériaux, des estacades à cordes et par le fait qu'il n'est pas nécessaire de construire des estacades, des ponts, des remblais et des échangeurs à plusieurs niveaux. Alors, une grande nouvelle ce soir dans le projet pour tous les partenaires, c'est que la promotion traditionnelle de fin d'année chez New Year est de retour. Pour remercier nos partenaires pour leur soutien et les féliciter pour la fin d'année, nous avons donc repris la promotion chez New Year. Avec cette promotion, vous pouvez soutenir le projet avec un escompte de 1 sur 80 et partager l'accès à cette offre avec vos amis jusqu'au 13 janvier 2023. Écoutez bien, cette promotion est devenue traditionnelle, mais ses conditions ont été mises à jour. Maintenant donc, plus de partenaires actifs peuvent y accéder. La première condition, c'est les utilisateurs ayant des statuts à partir de leader, quel que soit le nombre d'investissements personnels et de partenariats. La deuxième, c'est que les utilisateurs qui, du 1er janvier 2022 au 13 janvier 2023, incluent, ont effectué un investissement personnel ou ont attiré au moins 2 500 $ en première ligne. Les troisièmes utilisateurs qui peuvent en bénéficier sont les utilisateurs du back-office âgés de plus de 55 ans. Aussi, les utilisateurs dont les enfants ont effectué la vérification dans le back-office. Dans ce cas, la date de vérification de l'enfant n'est pas du tout importante. Écoutez bien cette remarque. Si vous avez acheté l'un des packs et donner 3 coupons avant le 22 décembre à 17 h GMT plus 3, vous pourrez inscrire le pack et donner des coupons de nouveau du 22 au 13 janvier 2023. Alors, l'offre mise à jour s'applique également aux partenaires auxquels l'accès a été donné. D'accord? Et si vous achetez le pack avant le 22 décembre, et si vous achetez le pack avant le 22 décembre, vous pourrez le faire à nouveau. Pour les partenaires qui n'auront pas
Alors, pour les partenaires qui n'auront pas le temps d'inscrire le pack avant le 22 à 17h GMT plus 3, l'offre restera la même. Pour les partenaires qui n'auront pas le temps d'inscrire le pack avant le 22, l'offre restera la même. Il sera possible d'inscrire un pack et une seule fois. La promotion durera jusqu'au 13 janvier. Soutenez le projet avec un escompte de 1 sur 80. Avec la promotion chez NUIR, vous pouvez soutenir le projet en investissant par paiement unique ou par mensualité avec un escompte de 1 sur 80. Alors, voici les différentes offres qui sont offertes donc dans cette promotion. L'offre Tankyou 20 000, Tankyou 40 000 et Tankyou 80 000. L'offre Tankyou 20 000, c'est un pack de 250 dollars qui vous donne 20 000 parts. L'offre de 500 dollars vous donne 40 000 parts et l'offre de 1 000 dollars vous donne 80 000 parts. Je tiens à rappeler ici que, commençons par le plus petit. L'offre de 250 dollars, en temps normal, le pack de 250 dollars vous offre 4 750 parts dans le projet. Ici, grâce à cette promotion, vous avez 20 000 parts. Ne ratez pas ça, les gars. C'est énorme. Alors, la structure de trajet innovant de rail à cordes installée sur la piste d'essai numéro 4. Le transport de l'escatade de transport est une symbiose d'idées d'ingénierie, de technologie et d'expérience. Chacun de ces domaines implique la responsabilité, le professionnalisme et le dévouement des ingénieurs et des ouvriers qui mettent cela en œuvre, bien évidemment. D'un point de vue technique, l'installation d'une structure de trajet de rail à cordes précontrainte est la mise en œuvre de solutions innovantes adoptées à différents stades et niveaux de développement de la conception et de la technologie. La construction de cette estacade de rail à cordes est un défi unique auquel les entrepreneurs n'ont jamais été confrontés dans aucun pays du monde. Il est associé à la fabrication des structures métalliques de haute précision, au travail sur des sections précontraintes de plusieurs kilomètres de long, avec des tensions totales de 1 800 tonnes, ainsi qu'à la capacité d'utiliser des matériaux innovants. En ce moment, une des étapes les plus importantes du cycle de vie de l'estatate est en cours. Il s'agit notamment des travaux de d'installation. Grâce à une collaboration étroite avec le sous-traitant et à la mise en œuvre cohérente de toutes les exigences du processus d'installation, Uscaï Transport est sur le point d'achever la construction d'un complexe de transport et d'infrastructure d'une longueur de plus de 2,5 km. Alors, nous parlons de ce transport magnifique. Il s'agit d'une solution innovante au problème de transport moderne de marchandises et à grande vitesse. Un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis qui donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. En 1914, l'usine de confiserie appelée Éniem, produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. On voit bien là une escatade ajourée avec un wagon suspendu tout là-haut. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit quoi? Le même tramway céleste. Cette illustration que vous voyez ici nous est déjà familière, pas seulement sur les images. Chez notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre, quel que soit le pays du monde dans lequel nous vivons. Nous faisons face à ce problème d'embouteillage. Les routes sont encombrées. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affecte l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises. Les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes, le transport et la mort des personnes, causés par le manque de sécurité, bien évidemment. En construisant des routes,
Finalement, voyez la nature. La nature, elle vit sa vie et essaie de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il commence à oublier même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Alors, le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles et polluent donc également l'environnement. L'un des moyens donc de sortir de cette situation est de créer des machines avec quoi? Moins de consommation d'énergie. Alors, donc, le quatrième défi de notre époque, c'est la réduction de la consommation d'énergie. Dans différentes années, de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Des tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre, en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Alors, ces photos que vous voyez ici n'ont jamais, au grand jamais, été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne. OK? Personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur intégré, électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas confondre ce transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, funiculaire sur le flanc de la montagne. Alors, le transport donc que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, qu'est-ce que U-Sky? Il s'agit d'une ville linéaire en union avec la nature. C'est une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place du système de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Ici, c'est l'écomaison qui fait toujours partie d'un projet intéressant que mène à bien le docteur Anatole Unitsky. C'est une écomaison, Eco-House, qui est tout un oasis en plein désert, qui a son propre, c'est une maison autonome qui fonctionne avec son propre système d'alimentation aussi. Donc, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, nous fixons le problème qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Alors, selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. La prochaine étape, c'est celle-ci. On peut voir donc sur cette image la destruction de la faune et de la flore dont nous parlions. Alors, ensuite, il faut créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser le rail et laisser rouler le matériel roulant. Regardez. Afin d'éviter les travaux de terrassement lourds, la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. C'est ce que les hommes ont compris et l'ont fait. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux comme celui-ci, imaginez-vous, on le remplace par un câble. Plus léger, n'est-ce pas? Les supports lourds ne seront pas nécessaires en ce moment, on les remplace par des supports. Les supports lourds étant plus nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va donc tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les câbles sont fixés sur le corps de la guitare.
Nous enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas du tout nécessaires en ce moment et nous plaçons donc, d'accord, notre câble dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi donc à quoi ressemble cette structure de rail en section. La composition et les propriétés sont sur le schéma. Ici, on peut voir la composition. OK, on voit la tête du rail. D'accord. On voit là les cordes, les points blancs qu'on voit là, ce sont les cordes qui sont les faisceaux de fil d'acier précontraint. Ici, on a un agent de remplissage qui est un béton flexible. Et le tout est entouré par le corps du rail. On peut encore dire que c'est l'enveloppe. Donc, sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de rail rigide, une structure de rail semi-rigide et une structure de rail flexible. Voici à quoi ressemble la conception du châssis. On peut voir là les différents dispositifs d'attelage de secours, la roue moteur, l'inverseur moteur, le radiateur, la convertisseur de tension et bien évidemment les ressorts de suspension, la batterie d'accumulateur. Et il ne faut pas oublier que ce système est sûr et contient dans la conception un système anti-déraillement spécial que voici. Alors, regardez ici cette image, les rails, les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ce photomontage ici que vous voyez montre des aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En pensant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci, ce n'est plus un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Charja. Une caractéristique distinctive des structures de rail, des trajets de rail à cordes, est que les rails n'ont pas de soudure. Ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur le rail en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le contrôle, au passage au contrôle automatique, élimine donc l'influence du facteur humain. Ici, c'est une photo de moi-même prise en octobre dernier, OK, dans ce centre. Charge à recherche Technology and Innovation Park, ok, où je suis devant cette unica tropicale magnifique. Vraiment, c'était une expérience énorme, pleine d'émotions, de voir tout ce que l'agent que j'apporte, ok, ma participation à ce projet a pu faire et réaliser jusqu'ici. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie et informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique, non. Revenons aux photos déjà familières ou plutôt aux roues moteurs que voici en 1950 et 1905. Ceci, c'est l'une des roues moteurs créées donc spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les fuites d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici donc l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. Sur cette image, on peut voir les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel.
Donc, rappelons les problèmes liés au transport moderne. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. Sur ce diagramme, vous pouvez donc voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que YouSky offre est peint en vert. Le transport à cordes a donc la solution la plus optimale. Ça reste évident. Le graphique montre clairement l'avantage de ce transport à cordes. Et ici, dans ce diagramme, ce tableau que j'aime énormément, on voit que ce transport est jusqu'à 10 fois moins cher que tous les autres systèmes de transport modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Donc, le transport que nous avons étudié est un transport de deuxième niveau, sûr, léger, rapide, économique et écologique. Alors, tout le monde peut participer au projet, d'accord? Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un plan de versement pratique est aussi mis sur pied pour permettre à tous ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer en cash de le faire sur 5 mois. Il y a plus de 400 000 investisseurs aujourd'hui dans le projet dans plus de 250 pays. Alors, en participant à ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnerez? Premièrement, des dividendes. La mise en œuvre du projet réussie. Vous serez en mesure de recevoir des dividendes de la part des bénéfices de l'entreprise. Le rachat d'actions. L'entreprise peut décider d'annoncer le rachat des parts comme elle a fait en 2018, où les 5 000 premiers investisseurs ont pu revendre leurs parts à jusqu'à 10 fois le montant investi. L'héritage. Les actions sont votre propriété. Vous pouvez les léguer à vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants en héritage. Les ventes d'actions. La valeur actuelle est bien inférieure à sa valeur nominale qui est de 1 dollar. En cas de décision de la société de participer à l'échange, vous pouvez avoir la possibilité de vendre donc vos actions sur le marché boursier. L'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoly Edouardovitch Unitsky qui travaille sur ce projet depuis 40 ans. Ok, depuis plus de 40 ans. Et il a fait plusieurs recherches, des calculs et d'expériences pour que sa création voie le monde. Aujourd'hui, cette technologie est optimale, efficace et sûre. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site uniski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Dans la technologie aujourd'hui, nous avons plus de 15 modèles de véhicules pour le transport. On peut voir quelques-uns ici. Et ici, nous avons le transport sur des rails à cordes qui se déplacent au-dessus de l'eau et des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux. Il étudie la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Et avec les méthodes modernes de livraison de structures par des drones volants, fournis par la technologie aussi, il n'est pas nécessaire de déposer les voies de migration et d'accès aussi d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Et en ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos que vous voyez ici ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'expo InnoTrans. Je tiens à rappeler que cette année encore, nous étions à l'expo InnoTrans en septembre dernier à Berlin. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai et bien évidemment des documents qui confirment que le transport à cordes. À partir des tests peuvent être trouvés sur le site. Voici ce document que le PDG tient, qui montre que la technologie jusqu'à a été certifiée aux Émirats Arabes Unis. Alors, la technologie de transport à cordes a aujourd'hui plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a entre brevets, récompenses, certificats et autres. Vous pouvez tous les trouver sur le site web. Sans aucun doute, il est impossible pour un seul homme de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Uniski Technologies a été créée en 2018. Aujourd'hui, elle emploie plus de 1 000
ingénieur. Et dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été fabriquées et conçues pour le transport de marchandises, de passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse. L'argent des investisseurs jusqu'ici a permis de construire un éco-technoparc, deux centres tests, un premier en Biélorussie, à Marina Gorka. OK? Voici chaque année, à l'heure de l'EcoFest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau est montré. Et en 2018, on a commencé la construction d'un deuxième centre d'innovation aux Émirats Arabes Unis, dans l'Émirat de Sharjah. Ce centre d'innovation de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Alors, aux Émirats Arabes Unis, ce transport sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera naturellement dans le paysage et ne nous surprendra plus du tout comme le métro ou le tram aujourd'hui le font. Nous ne sommes plus surpris. Alors, ce transport dont nous parlons aujourd'hui est bien évidemment, en guise de résumé, innovant, rapide, sûr, économique, facilement intégrable dans l'environnement et aussi écologique. Alors, je vous dis merci donc pour votre attention et je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour d'autres dernières nouvelles sur ce grand projet. Et je vous souhaite en attendant une bonne santé et beaucoup de part dans le projet.